la salle d'armes de Dol Guldur, le cœur des installations d'entraînement des serviteurs de l'ennemi, supervisée par trois terribles champions du Seigneur Ténébreux. Pourquoi le Nazgûl est qu'il est niveau 65? C'est les niveaux max des instances et les Némésis suprêmes. Putain, comme il s'était Moi, je m'attendais à ce qu'il soit au niveau 130 quand même, hein. Oh là là. C'est quoi, c'est une arène? C'est cool. Hey, c'est bien, ça me rappelle Skylander. Ouais, grave. Faut pas qu'on se fasse toucher dans celle-là. Ouais, vas-y, vas-y, envoie-nous des mecs. Comprenez-vous enfin? Ou peut-être les peuples libres ont-ils enfin trouvé le courage de faire face à tous mes champions réunis? D'aussi valeureux combattants que vous ne saurez craindre un affrontement loyal, n'est-il pas vrai? Lâche quand même. Faut bien le dire. Lâche! Vous tomberez les uns après les autres au pied de mes champions. On les défie tous à la fois, ok. Et... Non mais si, en vrai. Tu peux? Comment on fait? Et si on peut? Oh! Oh! Pourquoi moi? Ok, donc là, il y en a un. Parce qu'en fait, il faut ouvrir toutes les portes. Ouais, pierre de la tortue, obligé. Mais t'as vu, Jaja, je dirais que la pierre de la tortue, tu l'as utilisée un peu trop tard. Mais au moins, ça te permet de pas avoir être de pas être niveau 80, quoi. Comment vous avez fait pour avoir celui-là? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai déclenché. Merde! Tous les tuer en même temps, moi, je vais faire la prouesse! Ah, il faudrait que la porte s'ouvre avant que celui-là ne meure. Aïe! Il va mourir au dos. Ça va pas la tête! Ce n'est pas possible! Hurqueront tués. Je l'ai même pas touché, moi. Le feu, ça brûle et le savouille, tu l'aimes bien. Au fur et à mesure. Mais c'est quoi ça, jump? Non, mais ça marche pas comme ça. C'est sling. La commande, c'est sling. Et sling, on peut pas aller aussi fort, aussi loin. En fait, c'est 180 pour l'angle et 150 ou 200 pour la puissance. Je sais pas si je l'ai remise. La souris là. Allez, le gardien, fais-nous de la zone. Que je fais? Adios. Allez, bon dodo Avalia. A plus plus Avalia. Fais une vidéo par rapport au plugin que tu utilises? Oui. Mais j'utilise pas de plugin. Arrive pas à garder l'aggro, ça se reset. Moi je prends pas l'aggro là. Y a un gros qui se ramène. Ah ben c'est ça, c'est que le combat a pas duré assez longtemps avec l'autre. Tu crois? Moi je sais pas. Mais non, parce que l'autre elle est morte, non? Non, l'autre chef elle est morte. Et juste le chauve-souris qui restait. Ah plus. Non, en fait le seul plugin que j'utilise, c'est même pas un plugin, c'est un skin. Skin pour l'apparence. Et justement, j'utilise pas de plugin pour éviter de dénaturer pour ceux qui voudraient commencer l'outro et qui se diraient « Ah ouais, il y a ceci, il y a cela. » Non, en fait, il faut que tu ajoutes les plugins. Donc, vous avez des plugins,
très intéressants, mais je vous laisse aller les voir avec ma vidéo sur les plugins ou aller regarder sur le Discord. Oh putain, il a fait des zones, t'as vu ça? J'ai vu ça et j'ai failli crever. Ah moi j'étais pas dedans, j'ai eu du bol. Ok. Ah zut, je pense jamais là-dessus. J'y vais. Bah, ah il oui. a fait sa zone. Quoi? Et après, il est stun. Ok. Ok. Il est pas gros, il est gigantesque. Ah plus, mais je vois apparaître des barres de chargement de compétences. C'est les tiennes ou celles de tes ennemis? En fait, les barres de chargement de compétences, c'est juste une option à activer. Alors des fois, j'ai l'impression que celle des ennemis... Ouais, c'est celle des ennemis, c'est ça. Et même celle des alliés. Moi, tu vois pas la mienne parce que je mets pas ma barre. Mais je pense que sinon, tu la verrais. Après, là, j'ai pas de cast. Ah zut. Je te montre juste après si tu veux. Et c'est où? Ouais. Et là. Affichage de la barre d'induction dans paramètres IU. Et tu descends. Tu vois, tu descends tous ces petits carrés là. Case à cocher, affichage de la barre d'induction. Coche. Ah, ça c'était cool comme instance. C'est fini déjà? Ouais.